Tiens, 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 regardez qui est là. On dirait la bande des Firebuds pris au piège. On n'est pas pris au piège. Bon, ok, maintenant c'est vrai. Oh, quelle journée! Le vol parfait, le gâteau parfait et la capture des Firebuds. Que demander de plus? Pourquoi pas une autre part de gâteau parfait? À la salle du gâteau! Je trouverais ça plus chouette si on mangeait du gâteau pour de vrai. Oui, tu l'as dit. Je suis tellement, tellement désolée. J'ai encore tout fait rater. C'est pas grave, Harry. Tu peux te rattraper. Trouve un moyen de nous faire sortir du piège. À quoi bon? Je vais sûrement encore tomber ou glisser et empirer la situation. Il faut être réaliste. Je vais toujours tout de travers. Nous avons tous nos points forts. Et tu n'as pas encore trouvé le tien, c'est tout. Mais ça viendra. Oh! Il y a peut-être un code dans ce fameux manuel pour désactiver le piège. Mais Wayne a emporté le manuel avec lui. Oui, mais maintenant que tu le dis, j'ai vu écrit code de désactivation du piège laser. C'était 23, 52, 39 et 67. Wow! Tu te rappelles tous ces nombres en les ayant vus qu'une fois? Oui, et alors? Je crois qu'on vient de trouver ton point fort. Alors appuie sur ces boutons. Mais si je glisse et que j'appuie pas sur les bons... Dis-les-moi, et c'est moi qui appuierai dessus. D'accord. C'est 23, 52, 39 et 67. Tu as réussi? Oui! On a tous réussi! Je savais qu'on y arriverait. Oh, j'ai trop mal au cœur. On a mangé trop de gâteaux. Vous avez surtout commis trop de vols, à mon avis. Quoi? Comment avez-vous... Attrapez-les! Allez, monte, Wayne! Allons-y, Wiley! Bon, maintenant, c'est chacun pour soi. À plus tard, Wayne! Je vous tiens. Que bien! Vous avez réussi à revenir pile à l'heure pour le dessert. Désolé, Chef Al. On a eu les voleurs, mais le gâteau est détruit. Oh, qu'est-ce qu'on va servir aux invités? Eh bien, heureusement pour nous, Harry a mémorisé les nombres les plus importants de tous. Ceux des numéros de téléphone de tous les camions de glace de la ville. Harry nous a tiré d'affaires et a sauvé la fête. Trois hip-hip-hip pour lui. Hip-hip-hip, hourra! Hip-hip-hip, hourra! Hip-hip-hip, hourra! C'est pas si hyper méga archi facile que ça. Ben non. Et voilà le travail. Les amis! Flash et Axel sont coincés. On a besoin d'aide. Il n'y a qu'un seul moyen de monter assez vite pour les sortir d'affaires. Oula! Alors là, ils sont mal. Il faut trouver comment les extraire par l'arrière. Ou par l'avant en les poussant. Comment? Ils sont trop hauts. Pas si, j'utilise des figures de carrefour pour les libérer en rebondissant. Mais je croyais que les cascades, c'était trop dur pour toi. Pour être franc, mon salto est pas encore au point. Mais c'est un cas d'urgence. Il suffit de choisir les bonnes cascades. Pour ça, je peux t'aider. Si tu fais le saut rebond salto, tu peux sauter jusqu'à Flash, l'extraire du panneau, puis rebondir et faire un salto pour arriver sur Axel et la dégager à son tour. Je vous ai pas dit que j'ai encore du mal à faire le salto? Non, tu l'as très bien réussi. Mais même si on les sort de là, il faut trouver un moyen d'amortir leur chute. J'ai aussi une solution. J'appelle ça le J-matelas. Et j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Alors, allons sauver nos amis! Est-ce que c'est Flash? Est-ce que c'est Axel? Est-ce que c'est mon panneau? Ok, Piston, tu peux le faire. Probablement. Qu'est-ce qui se passe? Piston va faire un saut rebond salto pour vous extraire. Mais il s'y connaît pas en carrefour. T'as réussi! C'est incroyable! T'as assuré! Merci de nous avoir secouru, Piston. Désolée d'avoir cru que tu n'étais pas capable de faire du carrefour. Je me suis bien trompée. Abonne-toi pour découvrir d'autres vidéos et retrouve toutes tes séries préférées sur Disney Junior.